Yeah.
Un jour, je l'espère bien, comme les Neymar, les Hazard, les Cristiano Ronaldo. C'est le rêve de tout un chacun, surtout nous les jeunes qui débutons nos carrières. On apprécie vraiment l'organisation parce qu'il y a le respect, on a fait de beaux matchs, on a marqué des buts et il y a beaucoup de spectacles. Mon rêve est que je veux être un grand footballeur, marquer les temps tels que les Lionel Messi, Iniesta et autres. Ce jeune qui a organisé la protection, c'est un ami, il est très courageux. Donc notre devoir le plus absolu, c'est de venir vraiment l'encourager. Parce que ce qu'il est en train de faire, ça y va dans l'intérêt de la ville. Donc par rapport aussi à mon observation sur le match, je dirais vraiment très satisfait. À tout le moment que c'est bien organisé, tout était en place. Et j'ai constaté beaucoup de discipline qui n'est pas très fréquente. C'est un sentiment de plaisir, voir mon enfant qui a du talent, les enfants qui ont joué, ils ont tous ont du bon talent. La seule chose qui manque, c'est le soutien moral et financier. C'est juste un message d'encouragement par rapport à son courage, par rapport à ce qu'il fait pour aider les jeunes Guinéens. Donc nous ne pouvons que le soutenir, l'encourager. On avait dit aux jeunes de jouer naturellement, la qualité naturelle. On a constaté que il y avait du répondant dans le groupe. Vous savez, aujourd'hui, le football moderne, ça va avec la vitesse. Donc, on a vu un jeune qui est Bokoum, qui va très vite devant, avec une qualité technique acceptable.
puis bon, il y avait pas mal de repreneurs dans le groupe. Je pense que ce sont des jeunes qui peuvent éventuellement réussir dans les centres de formation. La base fondamentale, ils l'ont déjà, la technique. Et puis bon, la vitesse aussi, ils l'ont. Je pense qu'ils peuvent réussir ailleurs.